Ça y est, c'est parti, les réformes sur la fiscalité ont commencé avec des changements pour le célèbre ISF qui se transforme en impôt sur la propriété immobilière uniquement. L'annonce a été faite il y a quelques jours, on en entend beaucoup parler depuis, mais on a voulu se demander aujourd'hui qui exactement va être impacté et surtout à qui est-ce que ça profite. On voit ça tout de suite avec Céline Agostini et Pauline Osmuc. Je cherche un millionnaire. Adieu l'ISF et bonjour les filles. Voici ce que propose le gouvernement pour réformer la fiscalité des plus riches. Concrètement, l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes tire sa révérence pour laisser place à son petit frère, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, version très light de l'ISF. Le capital financier et le capital mobilier ne sera plus taxé et il n'y aura plus que le capital immobilier, à savoir une maison, toutes les propriétés qui seront taxées. En clair, entre l'IFI et l'ISF, le seuil d'entrée ne change pas. Il faut posséder plus d'1,3 million d'euros de capital pour être taxé. En revanche, ce qui rentre dans le calcul est allégé. Avant, tout le capital comptait. Aujourd'hui, seuls les biens immobiliers sont taxés. Résultat, beaucoup moins de personnes sont assujetties à cet impôt sur la fortune, recentré sur l'immobilier. L'ISF rapportait entre 4 et 5 milliards d'euros par an en fonction du périmètre concerné. L'État va y perdre 3 milliards. Donc les 3 quarts ou les 3 cinquièmes en fonction de ce qu'on considère. En fait, l'impôt sur la fortune immobilière ne devrait rapporter plus que 850 millions, ce qui est plus grand-chose par rapport à avant. Et c'est sûr que cette réforme va coûter cher. Mais forcément, si l'État prélève moins d'impôts, il gagne moins d'argent. L'IFI est donc pour certains un cadeau fiscal pour les 340 000 ménages qui payent l'ISF. Ces 340 000 ménages vont avoir un cadeau fiscal de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros sans rien faire, juste parce qu'ils disposent majoritairement d'un patrimoine financier. Et quand on regarde dans le détail, plus on est riche, plus on a de patrimoine financier et donc plus on aura d'exonération fiscale. Un argument que rejette le gouvernement qui regrette que cette mesure ne soit pas comprise dans son ensemble. L'IFI ne serait pas un cadeau fiscal, mais un moyen d'encourager les plus fortunés à réinvestir leur argent dans l'économie française. Ce n'est pas pour que les personnes se le mettent dans la poche ou le planquent sous le matelas, c'est bien pour que ces personnes-là puissent investir cet argent dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, ça veut dire quelque chose de très concret, ça veut dire investir dans les entreprises, dans les fonds propres d'entreprises. Pourquoi est-ce que l'on veut orienter cette épargne-là? Pour que les entreprises françaises, et à commencer par les PME et les entreprises de taille intermédiaire, soient mieux armées pour pouvoir investir elles-mêmes et pour pouvoir embaucher. Autre argument pour le gouvernement, les exilés fiscaux, qui pourraient revenir grâce à cette réforme. Impossible de savoir si celle-ci aura un impact. Mais selon des chiffres avancés par le Premier ministre Édouard Philippe, depuis 2002, 10 000 contribuables français fortunés auraient quitté le pays pour fuir l'ISF. 10 000 contribuables qui représenteraient en tout 35 milliards d'euros, qui, hors des frontières, ne sont ni taxés ni réinvestis en France. L'IFI serait un bon argument pour les faire revenir. Mais investisseurs français ou ex-exilés, comment être sûr que leur argent soit réellement réinvesti dans l'économie française? On ne peut pas être sûr que les investisseurs qui ont profité de cette réforme vont effectivement investir en France dans des entreprises françaises, parce qu'on est dans une économie mondialisée, etc. Il y a une liberté de circulation des capitaux, surtout en Europe, donc ils pourront aller investir en Allemagne, en Italie, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette réforme, il deviendra plus intéressant qu'avant d'investir en France. Et en tout cas, les gens qui détiennent de l'argent auront plus d'argent, donc pour plus l'investir, notamment en France. Un pari très hypothétique pour les détracteurs de cette réforme, qui dénonce une fiscalité en faveur des riches. Cet argent, c'est beaucoup d'argent, il faut pouvoir le financer, et par exemple, c'est demain des aides qu'on va supprimer ou baisser pour les plus défavorisés. Par exemple, les aides au logement qui vont baisser d'au moins 1 milliard d'euros l'an prochain et de 3 milliards d'euros d'ici 2 ans. Et donc concrètement, ce sont les plus pauvres qui vont payer le prix de cette exonération d'impôts supplémentaires en faveur des plus riches. L'IFI a été présenté par le gouvernement dans le cadre du projet de loi Finances 2018. Ce projet doit maintenant être ratifié par le Parlement. Si c'est le cas, il entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Voilà, les premières discussions ont donné lieu déjà à pas mal de passes d'armes. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que le fait de recentrer la réforme autour de la propriété immobilière vous paraît juste ? Je pense que selon cette maladie française, d'une bonne idée, on en fait une mauvaise. La bonne idée, c'est effectivement, on est le seul pays au monde à avoir un impôt sur la fortune. Il faut quand même se poser la question, pourquoi les autres... Il y en a deux, trois autres. Rares, oui, il faut quand même se demander pourquoi les autres ne le font pas. Ouais. C'est rentable, c'est intéressant, c'est juste. On n'est pas obligatoirement plus intelligent. Donc, qu'on le supprime, ça ne me choquait pas. Par contre, qu'on le ressente que sur la propriété immobilière, ça, je trouve ça choquant. Pourquoi ? On achète un bien immobilier, on paye des droits qui sont de 7 à 8%. Ensuite, on paye une taxe foncière tous les ans. Le jour où on décède, vos héritiers payent 10, 15, 20, 30% de ces pans de droits sur votre maison. C'est-à-dire, en réalité, vous avez payé plusieurs fois le prix de votre maison en impôt, et en plus, là, on met un impôt supplémentaire dessus. Et dernière chose sur ce point, on a dit 1,3 million. Quelqu'un qui, par exemple, à Paris, parce que ses parents avaient acheté un appartement de 100 mètres carrés à une époque où les prix à Paris n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, est tenu de payer un impôt. On a d'autres exemples. Oui, alors Paris, que pas obligatoirement quelqu'un de riche. Ou d'autres Bordeaux, voilà. Mais Gérard, le but de départ, c'est quand même de faire revenir les gros patrimoines qui ne sont pas immobiliers comme on le croit. Ils sont boursiers depuis que la société elle est financiarisée depuis longtemps, depuis une trentaine d'années. Mais Gérard, ses placements sont dans l'immobilier. Donc bah, lui, il est atteint de plein fouet. Il a du mal. Il vient de donner une excellente réponse. Bien sûr. Que les plus riches, justement, ce n'est pas ceux qui ont le patrimoine immobilier. Mais Gérard, il faut les faire revenir. Oui, tu as bien compris je le suis principe. D'accord. Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire payer les moins riches une, pour un patrimoine c'est immobilier. C'est une étape. C'est une et première étape. Et tu penses que grâce à ça, ils vont revenir ? Non. Ah bon. Pas du tout, voilà. On ne sait pas, on va essayer, voilà. Simplement. D'accord. Le manque à gagner, les 3 milliards, on va voir comment ça se situe, ce qu'on arrive à faire rentrer ou pas, mais on tente de faire des choses, c'est une tentative pour essayer de dire, un, on ne va pas punir les gros riches, vous avez vu, 35 milliards d'euros, ça veut dire autant ça, de capitaux c'est l'argent qui aurait fuité qui a disparu depuis 15 ans, ça veut dire autant d'argent qui n'est pas soumis à toutes sortes de taxes et d'impôts en France. C'est donc des dizaines, des centaines de millions, sans doute des milliards, qui peuvent être récupérés. On tente le coup et on voit ce que ça donne. Ouais. Bah, y a quand même quelque chose qui passe mal, c'est le fait qu'on enlève de ça la taxation sur les signes extérieurs de richesse, au point d'ailleurs que ça va peut-être revenir. Hein. Ils vont à nouveau alourdir la fiscalité là-dessus. Justement, en contrepartie, parce que les amendements ont été tous déposés, ils ont été votés en commission des finances, maintenant ça va passer en discussion à l'Assemblée, les bateaux de plus de 30 mètres... la taxe sur la vente d'or et de métaux précieux, Lingo, etc. Ouais. Ça passe de 10 à 11%. Les voitures de luxe de plus de 36 chevaux, une taxe sur les ventes de 8 000 euros, taxe additionnelle. Donc, on est tout. D'accord, tout ça c'est un peu symbolique. C'est symbolique, c'est pour faire, c'est pas, pour permettre c'est de pour passer, faire passer la mesure. Ça va rapporter 50 millions d'euros. Le budget de la France, tout compris sécurité sociale, collectivité territoriale, 1 200 milliards d'euros. C'est une goutte d'eau, c'est symbolique, ça va permettre de faire passer la mesure et de voir ce que ça donne. Oui, parce qu'on comprend bien que peut-être à terme, ça permettra de rapporter un peu plus à l'État, beaucoup plus, cette histoire-là. Beaucoup plus. Mais là, dans l'immédiat, ça rapporte surtout aux plus riches. Alors, en tout cas, c'est parce que, enfin, c'est la polémique, c'est pas ce que dit le gouvernement, parce que eux, ce qu'ils espèrent quand même, c'est que cet argent qui appartient aux personnes les plus riches aujourd'hui en France soit réinvesti aujourd'hui et qu'elle, donc les décourager d'investir cet argent dans l'immobilier, le patrimoine, mais de les inciter à investir dans l'économie réelle. C'est quoi l'économie réelle ? L'entreprise. C'est l'entreprise, exactement, Maya. Ce sont les start-up, les petites industries, les PME, etc. Et donc, pour cela, eh bien, évidemment, qu'on crée donc cet impôt donc, sur l'immobilier et pas sur toute la fortune. Alors, la question, c'est aller demander à ceux qui paient aujourd'hui l'impôt sur la fortune et qui ont un gros patrimoine immobilier, est-ce qu'ils vont suivre ce que propose le gouvernement ? Attends, on va poser la question à Alain. Alors, je suis justement allée poser la question à plusieurs Alains. Bah, donc, il y avait des châteaux à Versailles ou ailleurs. Et puis aussi à des économistes, effectivement, qui, eux, ont un peu tâté le terrain. Alors, ce qu'ils vous disent en grande partie, hein, 3 sur 4 en gros, c'est qu'en effet, ça va les pousser à vendre une partie de leur patrimoine pour ne pas payer ce fameux impôt, nouvel impôt. En revanche, ils ne sont pas du tout sûrs encore de réinvestir dans, dans les entreprises, dans les PME, dans les etc. Parce qu'ils ont peur, dans les petites entreprises, parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas assez rentable à terme. Et ils disent, bah, moi, je vais investir en bourse, dans la finance, dans le luxe, l'énergie, pourquoi pas, mais pas forcément dans les PME. Parce que Fabien, ça peut être plus risqué d'investir dans les PME que d'investir dans les grandes sociétés du CAC 40, par exemple. Bien sûr, c'est plus volatile, comme on dit. Volatile. C'est-à-dire que sur le court terme, oui, c'est plus risqué, mais pas sur le long terme. Et voilà, les petites PME, demain, ça devient des grands groupes. Hein. Oui.
Si on garde sur un siècle toutes les grandes sociétés du siècle dernier, il n'y en a pas une qui est dans le CAC 40. Donc, les petites sociétés. Mais évidemment. Mais il faut miser sur les bonnes quand même. Mais alors, il y a des fonds spécialisés pour ça. Je crois savoir qu'ils vont créer d'autres. Mais il y en a déjà des fonds spécialisés avec des gérants professionnels qui achètent et qui vendent des toutes petites sociétés, des PME françaises ou européennes. On a le choix des armes. Il y a un problème de pédagogie aujourd'hui, effectivement, puisque les banquiers ne sont pas encore vraiment rompus à expliquer au grand public pourquoi et comment investir dans ce genre de produits. Donc tu veux dire qu'on va les former à vendre des nouveaux produits financiers ? Exactement, c'est ce que demande le gouvernement. Ils ont donné rendez-vous aux banquiers, aux assureurs, etc. le 22 janvier prochain, en leur demandant une feuille de route très concrète avec de nouveaux produits, une nouvelle manière la pédagogie qu'ils vont avoir auprès de tout à chacun. Voilà, pour vendre des produits financiers sur les entreprises. Et ben, merci de nous avoir éclairé. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est complexe. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Alain ? Non, simplement, cette loi est profondément injuste parce que les gens de conditions modestes ne pourront pas hériter de biens confortables. On parlait de l'île de Ré. Et dans 20, 30 ou 40 ans, eh bien, seuls les riches pourront vivre dans les endroits les plus agréables de France. Parce que les gens de conditions modestes ou les familles nombreuses bien, ne pourront jamais payer les droits de succession. Mais ça ne nous dit pas ce que tu vas faire de ton argent, ça. C'est ça qu'on veut savoir. Le cash, il est déjà placé à l'étranger. Tu ne nous as toujours pas dit si on était ta vraie famille. Moi, je te considère comme... Faut-il préciser qu'Alain plaisantait, évidemment.